Salut les bassistes, voilà le nouveau carton que je viens de recevoir de chez TC Electronique. Je vais l'ouvrir devant vous, voilà. Alors, c'est parti. Ah, qu'est-ce que cela peut-il bien être? Eh ben voilà, c'est la dernière pédale qu'ils viennent de sortir, le Spectra Drive. Voilà, alors comment ça s'ouvre? C'est donc en fait une pédale, c'est un préamp qui fait aussi drive. Voilà, magnifique. Voilà. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on a dessus? On a un réglage de gain, on a un réglage ici, le tube drive. On a le SpectraComp, en fait, je l'ai aussi au format pédale, d'ailleurs si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo test. On a ici un réglage de volume. Ensuite, on a l'équalisation en bas avec les basses, les low mid, les high medium et les treble. Et puis, il y a pas mal de réglages à ce que j'ai vu. Alors, je n'ai pas regardé encore en détail, mais vous voyez derrière, voilà. Voilà, il y a tout ça. Sur le côté, sortie XLR. Ah oui, là, ici, on a aussi une prise casque. Ça, c'est super intéressant. Je trouve ça super pratique. On a une prise auxiliaire pour brancher son smartphone. Pour écouter de la musique, par exemple, pour jouer par-dessus, on a un port USB. Voilà, donc c'est une pédale qui m'a l'air très complète. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, on a le câble USB. Ensuite, des petits pads ici en caoutchouc pour coller en dessous de la pédale. Un petit autocollant TC électronique. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? Voilà, on a l'adaptateur. Voilà, impeccable. Bon, bah maintenant, je vais m'amuser avec tout ça et puis je vous ferai prochainement une vidéo test complète. À bientôt!